Il y a un peu de vent, c'est pas de ma faute. Bon. Alors, hier, j'étais allé à l'église de la Scientologie, tu vois. On a bien parlé, le mec, t'es super sympa. Bon, pas trop mal, on a parlé d'espace-temps, de cerveau, de retour vers le futur, de tout ce que tu veux. Ce matin, je suis allé aux protestants. Après, je suis allé prendre le papier des catholiques. Comme ça. Et après, je suis passé au témoin de J'y crois pas, le témoin de Jéhovah. Tu vois le truc? Ben, le protestant, il a fait un super prêche. J'ai même mis un mot. Ça va, c'était cool. Parce qu'hier, la caméra, ça marchait pas. D'ailleurs, ça se trouve, c'est déjà coupé. Non, ça filme. Et le téléphone qui arrête pas de sonner au moment que je suis en train de chier. Qu'est-ce que je déteste? Putain. Le truc, il sonne pas de la journée, mais le moment que t'es en train de chier, il sonne 6 fois d'un coup. Ça va, ouais. Bon. Bon, après, il y a le bonheur. Le chemin du bonheur, sans pas être heureux. Genre, façon Ron Hubbard, comme ça. Paix et tolérance, ça, c'est pas mal. Après, qu'est-ce qu'on avait? Faut comparer avec le centre d'addictologie à Gioffredo. La vérité sur le cannabis, c'est que de la connerie, non la drogue.org, c'est que de la merde. Bon, de toute façon, je crois que les témoins de Jéhovah, c'était pas terrible non plus. À la limite, les protestants, ça allait. Et un autre, c'est sur l'alcool. Complètement débile le truc, putain. Voulez-vous nous en parler? Je vais t'en parler, moi, tu vas voir. Celui-là. Moi, c'est sûr, c'est un gros merdier, hein, chez moi. Ouais. Ça tourne? Ouais, ça tourne encore. Alors ça, on a mis des oui et puis des non. Parce que c'était marrant, parce que hier, à la Scientologie, tu vois, on n'était que trois. La Dianétique. Et Jean-Fils, c'est le contraire de moi. Comme ça. Et là, on dirait vraiment que c'est pour les Mongols. Tu sais, en fait, pour les gens qui n'ont pas d'esprit, ils n'ont pas de réponse. Tu sais, c'est comme Johnny Hallyday ou... Ben, la France Gall qui vient de partir, là. Ils vont tous partir, là, en pas longtemps. Pas de ma faute. D'ailleurs, il y a un peu de vent à Nice. Ouh, depuis toute la journée. Il y a du vent. Ça se trouve, c'est Jean-Phil, la fenêtre, là-bas. Tchou, 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 tchou. Si, si, ça se trouve, ça se peut. Tu vois, la tour de garde, c'est gentil. Mais c'est un peu ledge. Et puis, il n'y a pas de tableau où tu peux faire ton dessin. Tu vois le truc? Et comme je n'étais pas super content, et par contre, j'ai écrit au pasteur. Il faut que je le dise à l'église. En fait, et le septième jour, il leur dit. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit le septième jour? Bon. Il est temps de rassembler déjà tous les chrétiens, parce que c'est un putain de merdier. Entre les témoins de Jéhovah, les protestodoxes, les protestants, les orthodoxes, les catholiques, les coptes, je sais pas, entre tout ça, là, déjà, c'est un putain de gros merdier. Après, rassembler les musulmans, ça. Et après, rassembler les juifs, la trilogie de quintessence, déjà pour commencer. Après, les bouddhistes, les tibétains, les mandarins, tout ce qui traîne, tu vois. Et maintenant, c'est le pouvoir part pour avec les peuples. Tout le monde dans la rue. Alors, vu qu'on est le 7, c'est un dimanche. Donc, tous les multiples de 7 sont des dimanches ce mois-ci de l'an de grâce 2018. Comment tu veux que je te dise mieux, moi? Donc, pour le dimanche prochain, tout le monde dans la rue. De l'imam au curé, au rabbin, tout ce que tu veux. Sûrement, maintenant, on arrête là. Gens du pouvoir dehors. Pognon de merde, FMI de mes couilles, Bilderberg de mes deux. Et de dire, bon, voilà. Alors, non. Ça va être une insurrection pacifique. C'est pas besoin de violence. Pour l'instant, c'est le vent qui est violent. Tu vois? Je vais essayer de faire un petit texte, bricoler un truc, comme ça. Et tout ira bien dans l'espace-temps. Envoyé spatial pour t'éternel, Shalamen, Iraim, Mazel Tov. Et tout ce que tu veux, et tous les noms que tu veux, et
du brahmo cistercien, bouddhiste tibétain, ouais, protestodoxe, tout ce que tu veux. Mais quand même, là, j'en ai plein les couilles. Et surtout, putain, c'est des trucs à la con. Mais quand le téléphone, il sonne pas de la journée, et que le moment que tu vas chier, il sonne 6 fois ou même pas 2 minutes, c'est quoi ce bordel, là? C'est le cas de le dire, ça fait chier. Tu rends ton rapport de combustion à la Terre. Souviens-toi que tu n'es que de poussière. Alors. Mais c'est des histoires d'espace-temps, tu comprends pas. Bon, pas grave. On va interrompre le processus. C'est parce que les processus, que les protocoles, c'est pour ça que les procédures. En fait, vous faites que de la merde sur cette planète. Il n'y en a pas un qui a l'esprit du bon Dieu. Pensez toujours à votre chiotte, votre trou du cul. Ok, ça me contrarie quand je suis en train de chier. Mais bon, c'est pas pour dire des gros mots. Tu vois? Mon vernis à poufias, mon truc sous les bras, mon dentifrice sous les dents, mon string anti-bavure de fuite urinaire, mes ongles à doigts de pied. Des poufias et que des connards, en fait. C'est pas ça l'humanité, c'est pas ça la vie sur Terre. Pas que je suis pas content, mais. Et le 7e jour, il leur dit, le pouvoir part pour avec les peuples. Ok? Pas le pouvoir part pour avec les riches. Des lois, des vieilles lois d'oligarchie, des féodaux de mes couilles. Des gens qui ont toujours voté des lois de merde par et pour eux. Tu vois? Départ, ça vient des feux, c'est pas pour dire, mais ils ont cloué leur chef. Mais le pasteur, il n'a pas expliqué comme ça aujourd'hui. Les Madians, je sais pas quoi, alors. Josué, fin de l'histoire. Et à la fin, c'était, comment il s'appelle l'autre? C'est le canard. Non, c'est pas un canard. Les Jérémons, les Jérémy, non, les Gédéons. Comme ça. Oh là. Après, il y a l'histoire du fils d'Abraham, fils de trucs, je suis arrivé avec des chameaux. C'est putain de compliqué. Ouais. L'histoire, le temps à travers l'espace-temps. La vraie histoire de la transmission, c'est comme mon rêve des 3 trains, tu vois. Le premier train, le noir et blanc. Ils sont tous pleins de thunes, ils ont fait des films, t'as les Jean Gabin, les machins, tout ça. Et ils se vautrent dans un grand droit juste avant les abîmes. Mais ils n'ont pas prévenu les ceux d'après. Sur le train d'après, il est plus à vapeur, là. Je sais pas, il est électrique, ou il est à diesel, comme ça. Bon, il est à diesel, comme ça. Et pareil, pouf, de génération en génération, le train, il se vautre, comme ça, près des abîmes. T'as un grand Prévert où il y a à peu près tout le monde. Mais si tu passes le poteau du pont, oh là là, c'est carrément les abîmes. Après, t'arrives genre le TGV ou quoi, mais les mecs d'avant, ils ont pas prévenu les mecs d'avant parce qu'ils n'ont pas prévenu non plus, ce qu'ils disaient en gros le pasteur. Toi. Et donc, le TGV, il se vautre aussi, au bord des abîmes. Donc, on est bien dans la merde quand même. Mais vous ne comprenez pas la notion d'espace-temps. Vous êtes programmé télé, vous êtes formaté pub, et c'est que de la merde. Ce soir, je me suis échappé de la télé, avec Tata qui gonflait en plus. Oh là là. Sans moi, mes chaussures. Non, non, non. Mais c'est pour jeudi, Tata, on est dimanche. Ouais, mais il faut les sortir quand même. Putain, comme ça gonfle les réactions de vieux. Mais enfin, bref. Je m'attends à l'oracle. Hein. En ce moment, il y a tout le monde qui me fait chier. Là. Moi, j'aime bien être libre dans ma tête. J'aime bien que c'est moi qui pense. Je suis aux commandes de mon vaisseau. Je m'en fous si j'ai plus de dents, si j'ai plus de yeux, si j'ai plus d'oreilles. J'en mettrai quand tout le monde en mettra, quand tout le monde pourra en mettre. C'est un petit peu pour tout le monde ou rien pour personne. Le vent, il veut dire ça. Attention. J'ai un pouvoir sur la météo que tu crois même pas. Enfin bref, envoyé spatial pour Téléternel, Chris de Nice. Tout ira bien dans l'espace-temps. Au moins, j'ai pu faire mon petit film avant qu'on vienne m'emmerder.